Il métisse les couleurs. C'est des choses que Dieu connaît. Oui, alors, non, c'est pas important. C'est important ce que Dieu avait. Tout est important, c'est la terre. Oui, oui, vous ne trouvez pas l'important à ça. Aïe. Mais Satan donne l'importance à ça. Mais c'est ça la connaissance à dire les mystiques ont. Mais quoi, ma maman, la connaissance de choses. On les appelle mystiques parce qu'ils cachent. Voilà, on vous sait le mysticisme. C'est la vérité. Quand vous cachez les secrets, c'est des mystères. C'est des choses que vous révélez. Oui, non, vous montrez les choses. Oui, regardez vous. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Chaque jour. Il y a un esprit. Lundi venu lune, mardi venu Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, dimanche Dieu Soleil. C'est un calendrier romain. Ça, chaque jour le Dieu d'une planète. Donc il y a un esprit qui le combat chaque jour. Quand tu te réveilles comme ça, il n'y a rien dans ça. L'argent existe. C'est bien programmé. Amen. Amen. Les choses de ton vie, l'esprit. Vous faites connaître les choses. Moi, l'esprit, je sais ce que je dois faire l'esprit. Marie, l'esprit, je dois faire. Je l'ai dit, de janvier jusqu'à décembre, je sais ce que je dois faire. Donc, autre cas, nous rentrons dans le mois le plus dangereux de l'année. À partir de octobre. Il y a des esprits qui sortent. Ils ont duré des temps pour moi sur la terre. Encore, après autant de quoi? Non, d'abord. Ok. D'abord septembre. C'est ça. Et puis octobre. C'est ça. Septembre. Ça dépend. Ça, on commence par septembre. Août, après août. Septembre. Quand vous remarquez, c'est à partir de septembre que sortent les grands esprits. Nos grands coups d'État. Le grand chef de l'État aux États-Unis. Le 11. Ces démons-là ne se nourrissent que du sang. Quand ils sortent de l'État, on ne va pas longtemps. Ils rentrent la première semaine du mois de janvier. Donc, on connaît tout.
demande qu'on n'ait pas de péril. Après le mort, moi, je prie déjà dans mon quartier. Parce que quand je viens de prier, moi, je déprends ceux qui sont. Si on va manger dans le quartier, et si quelqu'un devait manger dans le quartier, je le délie au nom de Jésus. D'accord, vous êtes sous les esprits. Tu as la clé du royaume. Dis amen. Mon cadet, vous êtes autre. Venez, vous allez faire ministre, je suis là. Amen. Au nom de Jésus. Vous jouez avec le pouvoir et l'autorité que vous avez reçue de Jésus. Tu as fait la main. Tu as eu des problèmes. Et dans le cas où il y a des. Vous savez qu'on a fait à vous. C'est le siège, c'est vrai ce qu'on a fait ça. C'est ça que Dieu dit, ne touchez pas mon coin. Hein? Tu l'as touché juste à rien dit à Dieu. C'est que tu n'as pas mon Dieu. Moi, il y a un élément dans ma vie. Si je suis touché qui est là dans ma maison, que tu commences à couler des larmes, tu as des problèmes. J'avais touché, mais j'ai fini de couler les larmes. Si je rentre dans ma chambre, puis je commence à couler les larmes. Mais c'est le même. Le châtiment de Dieu, ça va se faire. Parce que je suis consacré. Amen. Il y a des choses qu'on doit vous enseigner. Alléluia. Amen. Il veut connaître des choses. Il n'y a pas que de cette chose vous arrive. On vous a signalé au ciel, c'est bon. C'est déjà la vie du ciel. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Avec les personnes de ce monde. J'ai dit le royaume de Dieu appartient au. Mais il y a beaucoup d'appelés. Mais pour entrer dans le ciel, c'est la violence. Tu es chrétien. Mais qu'est-ce qui a été fait pour le sujet après de toi? C'est la conséquence. Ça devient la marque de Dieu, comme un tampon. Il est là, il est vraiment la cause du monde. Vous avez saisi. Amen. Vous ne frayez pas les sorciers. Le vieux sorcier, il t'embrasse. Il est viol à nous. Il joue avec toi. Il disparaît même. Eh, ton dessus va être ça. Tu te lèves ton dessus vers lui dans la douche. Tu cherches. C'est sorcier, pas les sables et les sirènes, pas les sirènes, c'est sorcier qui fait ça. Nous ici on dit jamais sirène des eaux. Nous on dit jamais mari de nuit. J'ai changé ça ici. Oui ou quoi? C'est pas mari de la nuit, mais mari de tous les temps. Donc on dit mari esprit. On dit femme esprit. C'est pas la nuit va coucher, oui ou quoi? Dans ta vie quand c'est mari esprit. Il n'est pas mari de nuit, c'est pas la vie de la. Quand tu vas faire ça, tu veux dire un homme de nuit. On a mis des idées. Amen. Quand vous lisez le psaume 80, tiens. Allons-y. À partir du 89, à partir du verset 21. Vous n'êtes pas vide. Vous comprenez pourquoi sorcier vous mange. Il n'y a pas besoin de travailler avec moi. Il va se plaindre dans le pays dans vos enfants. C'est le Nouveau Testament qui a dans la vie, qui a vu dans la librairie. Mais pourquoi ces petits là, tu as ça dans ta main? Elle est où la Bible là? Elle est qui a une Bible là? Moi j'ai pris dans tous mes portables. J'ai pris dans mon lit, j'ai pris partout dans mon sac. Hein? Écoutez très bien. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai point de mon île sainte. Je l'ai point de mon île sainte. Ma mère le soutiendra. Oh non, lui il est tombé sa tête. Ma main m'a commencé à le soutenir. Et mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Ton ennemi va plus te surprendre. Après ce qu'il vient de faire. Lui, il avait l'habitude de te surprendre pour garder. Il pourra plus. Quand il va venir voir lui, ma main de Dieu, c'est ta vie. Et le chrétien ne le plus fera plus. Oui, je ne vais plus t'opprimer. J'écraserai devant lui ses adversaires. Amen. Amen. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Vous avez un adversaire de qui? Sorcier. Non, pas forcément sorcier. Non, il peut être ton ennemi, il n'est pas ton adversaire. Et ton adversaire pas ton ennemi. Non, expliquez-moi.
Nous sommes heureux, nous avons une élection, on doit être libéré, on parle de stage, on a des airs. Mais comment voulons-nous se saluer? On va voir ensemble. J'ai un marché, le même marché du Vixa. Comme j'ai vu là, Dieu me donne le marché du Vixa. Dieu me reconnaît, Dieu ne le connaît pas. C'est ça. Nous allons m'appeler la frappe de Dieu sur la vie. C'est pour ça que les Juifs ne choupaient ça. Mais aujourd'hui, il dit Dieu. Il vous dit aujourd'hui, les Juifs ne croient pas Jésus. Il dit Jésus, il n'existe pas. Dieu pour moi, il va venir. Mais eux, ils mettent des mystères. Non, mais il a dit le comment dit. Lisez Somme 2, il dit quoi? J'écraserai devant lui ses adversaires. Dieu doit craser tes adversaires. C'est toi qui dois posséder la chose. J'étais allé faire réunion de commerce. Je suis allé dans le bureau bleu. Le greffier en chef me regarde. Il dit, tu dois passer ma pression dans une semaine, mais je ne sais pas, j'ai envie de te donner ça. Je t'appelle en une heure du temps. Mais je suis vite venu, mon chauffeur, mes gars, ils sont étonnés. J'ai dit, non, ça va, c'est qu'il y a pas d'écouter ma chauffeur. Vous savez ce qu'il dit? Vous savez ce qu'il dit? Il doit me servir d'abord. Il a besoin pour. Amen. C'est là. Vous avez un pouvoir où je vais ça. La parole. C'est quelque chose de très important. Vous avez ça. Moi, je m'en vais et je dois avoir ça aujourd'hui. Dès qu'il me regarde dans les yeux, qui signe les papiers? Amen. Il m'a dit, j'ai envie de te donner ça vite. Les gens sont étonnés. Ils disent, ça, c'est dans une semaine. Toi, je vais te donner dans une semaine. Il m'a appelé. Mais dans mon sac, j'ai pas dit. J'ai dit ou je n'ai pas dit. Pourquoi j'ai trouvé la suite? Quand je me lève matin, si quelqu'un doit être béni, c'est moi d'abord. Et Dieu, on a pas parlé de lui, mais il est là. Quelqu'un sait comment il prie matin avant de sortir. Chauve, vous ne savez pas. C'est pour cela que vos vies sont bizarres. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ton témoignage. C'est ta vie. Tu vas revenir, on encourage à respecter ton Dieu. Moi, tous mes voisins viennent me saluer. Chacun me fait camaraderie pour moi. Parce qu'il voit les témoignages. Quand je suis venu à Dino, on dit, monsieur, vous venez d'aller venir lui. On va envoyer arriver chez vous. Il dit, mais arriver, ça ne fait pas. Il dit, c'est quoi arriver? Il dit, non, c'est le canal. Le soir, il a envoyé le canal dans l'horizon. Le soir, il a envoyé le canal. Le soir, le canal, il a envoyé. On va envoyer les glaçons, tout ça là. Le soir, trois jours après, le voir congélateur. Chacun m'a demandé, monsieur, ils m'ont demandé, tu fais quoi? Il dit, il va travailler. Il te dit, il fait quoi? Tu vas me faire ça. Et là, tu me dis, comment tu travailles? Ah, ma mère, la télévision, tu es comme elle, mais c'est ça? Ouais, je dis, mais chacun fait son travail. C'est bon. On t'a fait la télévision, mais tu caches là. Donc, c'est toi, il est des élèves. Pas de dire. Ah, non, pas mieux. Tu caches ça. Et lui, il ne vit pas. Et pas mieux. Amen. Mais toi, tu vas faire marcher sur le voisin. Voisin. On va payer, non, vous ne pouvez pas cotiser. Vous êtes égal à l'âge. Mets ça cadeau. Donc, on me respecte. Dieu doit faire de toi un témoignage. Une source de bénédiction. Notre monde, les gens veulent voir les preuves. Ils n'ont plus jamais voir, c'est ça. Ils reconnaissent ça. Ils sont couchés dans le lit.
J'ai aimé le monde qu'il a aimé, qu'il a donné son fils unique. Qui me complétait? Afin que le. Mais
Tu as une grossesse de 2 mois. Tu as eu une grossesse de 2 mois, c'est ton fils. Comment tu as gardé une grossesse en moi? Hein? Regarde ici, regarde en moi. Tu as rigolé au chevet de son lit. Et tu as fait quoi? Et j'ai dit à partir de maintenant. Hein? Et puis j'ai parlé. Tu as dit quoi? J'ai dit à partir de maintenant, l'enfant va plus vivre. J'ai pas compris. À partir de maintenant, avant que tu partes, notre enfant ne va plus vivre. Mmh. Et puis j'ai pris, je suis allé vers le monde. Et puis on a commencé à me dire à vous. Et puis on a mangé. Moi j'ai mangé la tête de cœur. Et puis elle livré ma maman. Ta maman là? Tu l'as livré? Comment? Elle a pris ça là. En parlant, on commençait son nom. Et puis j'ai amené ça dans le monde. Vous avez mangé mon maman, ta maman? On l'a déjà mangé. Mais quoi n'est pas encore votre? Le mois prochain. Le mois prochain. Vous allez me dire, mais pourquoi sorcier dit d'en manger la personne qui? On les appelle mangeurs. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Oh, okay. Tu vois l'esprit. Il mange l'âme. Quand ton âme est mangée, et s'il a mangé ton âme, tu n'as pas de consigne durée d'une année, ce n'est pas possible. Tu peux vivre sans ton âme. Allez, ton esprit est là. Donc le diable ne touche pas l'esprit. Je vais parler à Dieu. Vous comprenez la voix de Dieu.